Hello! Aujourd'hui, je suis en motif floral parce que je me suis dit que la chanson de Twice, ça devait être un truc un peu été. J'ai pas regardé le teaser, mais voilà. J'espère que vous aimez, j'ai fait des efforts. Hola, qu'est-ce? Bon, nouvelle réaction à Twice, on les présente plus, j'ai déjà fait 1 milliard de réactions sur ce groupe. Globalement, c'est un groupe que j'aime bien, j'aime plutôt bien les chansons. Je suis plus fan des titres des débuts que des titres qui sont récents, on va dire. Même si j'ai adoré Better qui est sorti l'année dernière, qui est un titre japonais, mais en tout cas super récent. Bref, en tout cas, je sais pas trop ce que ça va donner, j'essaie pas trop de me hyper parce que j'ai l'impression que quand je me hype pour Twice, je finis par être déçu. Et quand je me hype pas, finalement, je suis agréablement surpris. En plus, sur le Discord, vous m'avez fait peur parce qu'il y a des gens qui ont écouté les teasers et un peu les quelques spoilers qu'il y avait. Il y a des gens qui ont dit « Oh, la title, elle a l'air trop bien » et d'autres gens qui ont dit « Oh, la title, elle a l'air nulle », mais heureusement que les B-sides ont l'air bien. Donc du coup, je sais pas dans quel camp je vais être. Est-ce que je vais être plus en mode « Je vais préférer les B-sides » ou est-ce que je vais préférer la title? I don't know. Bref, on va faire la réaction à « Alcohol Free », à ne pas confondre avec « Alcohol Is Free », qui est une chanson grecque et qui ne veut pas du tout dire la même chose. Bref, si tu me connais pas, c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos réactions, je te mets en commentaire épinglé comment je fonctionne, et ça c'est important parce qu'il y a des gens parfois qui comprennent pas trop, donc comme ça tu le lis viteuf et t'as compris comment je fonctionnais. Sinon, n'oublie pas de voter OK Charts, le classement dans lequel tu peux voter pour tes chansons et soutenir tes artistes favoris, tes chansons favoris. Pour voter, t'as le lien en description de la vidéo, et pour à quoi ça semble, je te le mets juste ici, tu cliques, tu fais ouvrir dans un nouvel onglet, et tu le regarde après cette réaction. Voilà! Passons à la réaction de Twice. En plus, mon ordi a décidé de bugger aujourd'hui. La 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 la. 3, 2, 1. Ouh. Oula, c'est un rythme bossa nova. Qu'est-ce que ça va donner? Je sais pas trop ce que ça va donner parce que le rythme comme ça, je sais pas comment ils vont le faire évoluer. Il y a un peu, je pense, la volonté de faire du kitsch assumé à mon avis. Pourquoi pas? Ouais, c'est plus chill en fait. C'est pas genre gros summer bop comme on s'attend avec Dance the Night Away ou un truc comme ça. C'est plus chill quoi. J'adore le côté un peu kaléidoscopique comme ça. Je sais que c'est grave bien. Alors, moi je sais qu'il y a des gens qui ont critiqué le styling, mais je trouve que franchement ça va. Pour la scène de danse, franchement, il est pas trop mal le styling. Parce que les patterns ils vont bien ensemble quoi. Bon, c'est pas la première fois qu'elles font des effets un peu style kaléidoscope, mais moi j'aime assez bien en vrai. Cette scène là de danse, je la trouve assez belle. Hein. Franchement, et le fait qu'elle dansait à l'intérieur du bâtiment et maintenant à l'extérieur, je trouve que c'est une bonne idée. Par contre, il y a plein d'éléments un peu kitsch, et ça, je sais pas comment les gens vont... Comment ils vont recevoir ça? Parce que les trucs qui flottent dans tous les sens, les cocktails qui passent devant l'écran et tout, les trucs qui volent, c'est pas très... Enfin, c'est kitsch, quoi. C'est dans l'imagerie kitsch qu'on fait généralement dans les MV ou même dans la photographie, etc., quoi. Moi j'aime bien parce que genre j'avais adoré le MV de Treasure là qui était hyper kitsch. Mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui trouvent ça un peu genre what the fuck quoi. C'est une espèce de guitare derrière à la Santana derrière. C'est trop marrant. C'est trop original en fait pour de la K-pop quoi. Mais c'est vrai que ça fait plus B-side que title. Dans le sens où les B-sides, elles ont tendance à beaucoup plus exploser, etc. Et là, du coup, ça explose pas vraiment.
Ok, champagne, j'ai entendu wine et margarita aussi. C'est le truc que j'aime bien. C'est fini, alcohol free. Si t'aimes bien mon travail en tant que créateur de contenu, tu peux me faire un don via Utip. Tu peux aussi aller voir ma boutique sur Redbubble où je fais en fait les designs moi-même. T'as le lien en description de cette vidéo. Tu peux commenter, liker, partager cette vidéo et ça c'est gratuit si tu veux quand même m'aider. Bon, pour parler de alcohol free de Twice, je pense plein de trucs mais c'est un peu étrange. Alors bon, déjà de base, je vais dire un truc. Moi j'aime bien les rythmes bossa nova. Étonnamment, je sais, c'est un truc, les gens sont toujours étonnés quand je dis ça. J'aime bien écouter du bossa nova. Alors j'en écoute pas tout le temps, mais de temps en temps, genre l'été ou quand je sais pas. Quand j'ai envie d'un petit truc comme ça, j'écoute du bossa nova. Dans Animal Crossing, j'ai bossa nova kéké chez moi. Bref, j'aime plutôt bien ce genre de musique. Maintenant, c'est vrai que associé à la K-pop et dans ce style-là, je trouve ça étonnant, mais je trouve que ça fonctionne bien. Maintenant, selon mes goûts perso, est-ce que ça va être ma chanson préférée de Twice? Je pense pas non plus. Parce que ce que j'aime bien dans Twice et ce que j'aime bien en K-pop tout court, c'est les chansons qui pètent, qui vont dans tous les sens, etc. Là, c'est vrai que ça va pas dans tous les sens. Donc, à la fois, c'est un style que j'aime bien. Maintenant, c'est vrai que. Je pense qu'en summer bop venant de Twice, ça va pas être mon préféré. Après, je trouve que c'est hyper risqué de faire ça. Et je trouve que c'est bien qu'un groupe comme Twice qui soit vieux maintenant, parce que c'est un vieux groupe, enfin ça commence à être un vieux groupe. Je trouve que c'est super bien qu'ils aillent un peu à l'envers quoi. Ils roulent à contresens et se disent bah ok, vous attendez le summer bop que ce soit comme ça. De toute façon, on vous a déjà fait du summer bop, on a déjà fait Dance the Night Away par exemple. Bah on va pas le faire deux fois, on va vous faire autre chose. Et j'aime bien l'idée. Maintenant, je sais pas si ça va payer ou non, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui associent Twice et l'été à quelque chose qui pète, etc. Les chansons de Twice, généralement, c'est les titles en tout cas, c'est plutôt des chansons qui pètent, pas tout le temps bien sûr, mais généralement. Donc je me demande s'il y a des gens qui vont pas être déçus, qui vont se dire ah, tain, c'était l'occasion de faire un comeback de l'été de ouf, et finalement on se retrouve avec un rythme un peu plus chill qui est pas spécialement dansant non plus. Donc je sais pas trop ce que les gens vont associé à ça et s'ils vont aimer ou pas. Globalement, moi j'aime bien, genre vraiment c'est un style que j'aime bien. Maintenant, c'est vrai que je me réfléchis stratégiquement parlant si c'était vraiment le bon choix, s'il aurait pas fallu garder ça pour une B-side en fait et essayer quand même d'être un peu plus safe et de balancer une title qui était plus été, plus basique si je peux dire ça comme ça. Après ça, c'est chacun fera son avis. Moi je trouve que c'est bien de faire ça en termes de risque. Maintenant je sais pas si ça va payer et je sais pas si les gens vont être derrière. A voir. Après c'est Twice, ça reste un groupe connu. Donc globalement, que la chanson soit bonne ou pas, je pense que les fans de Twice vont quand même être derrière la chanson. Mais j'ai quand même j'ai envie de voir les ventes et j'ai quand même envie de voir ce que ça va donner au niveau du soutien et de la réception critique, parce que les ventes parfois c'est pas très représentatif, mais la réception critique surtout, voilà. Au niveau du MV, eh ben, j'ai plutôt bien aimé, j'ai trouvé qu'il était assez varié, qu'il y avait assez de scènes pour pas trop se faire chier, même si j'ai l'impression que trois quarts des scènes c'était quand même des scènes intérieures, genre il y avait du fond vert, etc. Ça m'a pas trop dérangé parce que je trouvais que c'était plutôt frais, c'était sympa. Du coup, je trouvais que le MV était vraiment très coloré. Comme je l'avais dit, il y avait aussi beaucoup de kitsch. Et personnellement, moi, je suis friand de ça, donc j'aime vraiment ça. Bon, regardez, j'ai une chemise qui est hyper kitsch, donc globalement, je vais pas critiquer alors que j'ai une chemise qui est hyper kitsch. Voilà, j'ai plutôt bien aimé le MV aussi, j'ai plutôt trouvé ça cool. Maintenant, encore une fois, je pense aux autres, entre guillemets, et pas à moi. Je me dis, qu'est-ce que les gens vont penser? Parce que si tu regardes le MV sans la chanson, t'as l'impression que t'as un Dance the Night Away Bills, et puis quand tu écoutes la chanson, t'es en mode, ah mais en fait c'est lent, enfin le tempo est plutôt lent, c'est plutôt un mid-tempo, etc. Et c'est vrai que le clip il est assez frénétique, il y a des effets dans tous les sens, etc. Donc je sais pas si ça va pas perturber les gens en fait. Bref, je sais pas quoi dire d'autre, globalement je pense que j'ai assez résumé ma pensée. Moi je suis convaincu, j'aime bien, et j'aime sincèrement bien. Maintenant je me pose vraiment la question de ce que les gens vont en penser, parce que c'est pas un style habituel. Le MV et la chanson, ils collent pas spécialement ensemble d'un point de vue rythme, donc je me demande ce que les gens vont penser par rapport à ça. Mais moi je trouve que c'est risqué et que c'est bien de temps en temps de faire des trucs risqués, surtout quand t'es un gros groupe, parce que je pense que c'est le meilleur moment pour faire des trucs risqués, c'est quand t'es hyper connu et que quoi qu'il arrive, tu vas pas flop quoi. Et donc du coup, tu peux te permettre de faire des choses un peu comme ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez bien aimé cette vidéo, bah dites-le moi en commentaire. Si vous avez pas aimé ma réaction, je suppose que vous êtes déjà en train de me critiquer, vous êtes déjà en train d'écrire un commentaire. Bref, j'attends. Sinon, n'oublie pas que tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, donc tu me suis si t'en as envie uniquement si t'en as envie. Si tu décides de t'abonner, bah, bienvenue à toi. J'ai aussi une seconde chaîne si ça t'intéresse. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos réactions. Bye 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 bye. Annyeong.